et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, c'est la présentation. C'est la partie 4 de la présentation des miniatures que m'a offert l'ami Ben de la chaîne Tokup. Et vous savez, il m'a envoyé un bon gros colis bien garni de 32 miniatures majorettes en loose, mais complètement neuves. Et aujourd'hui, c'est la quatrième partie et on va de suite découvrir les miniatures qu'ils m'ont envoyées. Et c'est parti avec la première. C'est un Citroën C4 Cactus. Alors, elle n'est pas blanche, elle est grise. Elle est grise. Avec donc les fameux rongeons sur les côtés bien spécifiques de chez Cactus. Donc à l'avant, voilà. C'est comme ceci, c'est fait, une belle finition. Des jantes assez sympas, des jantes qu'on trouve souvent chez les streetcars, là, ces jantes-là. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc il y a un ouvrant, c'est le coffre. Voilà. Le châssis est noir. Voilà. Très sympa. Voilà pour la première et également la petite carte qui va bien, qui va venir dans le petit porte-carte que je vous ai montré l'autre jour. Voilà pour la première miniature. La seconde, enfin, je vais vous dire tout net, c'est une de chevaux et c'est ma préférée. Voilà, parmi toutes celles que Majou a sorties, c'est ma préférée. C'est la 2 chevaux Charleston. Voilà. Et c'est celle-ci. Et je la préfère à la noire et jaune. Elle a vraiment une couleur tip-top. Et puis celle-ci, je me rappelle l'avoir vue. C'était vraiment une belle 2 chevaux. Elle est vraiment superbe. Donc il y a un ouvrant, c'est. C'est. Le. Vais-je tenter ou pas? Non, j'arrête. J'arrête parce que. Putain, mais quand on a des doigts de bûcheron, quoi, comment faire? Non, vraiment, elle est vraiment super. Et l'avant, le dessus, et puis les couleurs sont tip-top. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont tip-top. Voilà. Ce noir mat là avec ce bordeaux mauve brillant, hein, c'est d'excellent. Voilà pour la seconde et puis bien entendu la petite carte technique. Pif. Voilà pour la seconde. La troisième. Alors la troisième, c'est un Mercedes AMG G63. Couleur jaune citron. Et là aussi c'est un gros. C'est ma stock. C'est très mastoc. Alors, pour tout vous dire, moi je crains la couleur. Je sais pas si ça existe réellement, cette couleur jaune citron vert, là, comme ça. Là. Mais, bon. Il est très bien. Il est superbe. Hein, vous voyez, à l'arrière, le signe Mercedes, on a même l'essuie-glace en haut sur le pare-brise. Bon, là on les a aussi à l'avant, hein, mais ils sont peints des couleurs de la carrosserie. Hein. Les aurait fait noir, ça aurait été bien mieux. Il y a un ouvrant, c'est également le capot ici. Voilà. Et le châssis est noir. Voilà. C'est neuf, complètement neuf. Voilà. Elle a également sa petite carte technique, comme c'est un premium card. Hop. Et la dernière, le meilleur pour la fin, comme toujours, moi je fonctionne comme ça. Enfin, le meilleur pour moi, on est bien d'accord. C'est une Chevrolet Camaro de la série Zamac. Alors voilà. Alors, celle-ci je l'ai pas. Enfin si, maintenant je l'ai. Merci Ben. Les jantes vertes, je trouve ça assez improbable. C'est joli. On
Ouais, c'est vrai que c'est joli, mais je trouve ça assez improbable quand même. Je sais pas si c'est. Donc, une tempo avec un numéro 06. On a inscrit majorette sur les ailes arrière, oui. Tac. On a un gros bandeau sur le toit et deux bandeaux sur le cap. L'avant, les finitions sont faites, bien entendu. Bizarre qu'ils aient séparé le bas de caisse ici. Ils en ont fait une partie noire. Pourquoi pas? Et on a le sigle Chevrolet qui est bien fait. On a les rappels de clignotants sur les côtés arrière. Et on a les feux et le sigle Chevrolet également à l'arrière avec le bas de caisse toujours noir. C'est un style. Le châssis est lui noir. Et voilà la Chevrolet Camaro. Et bien entendu, la petite carte technique, édition limitée, c'est la cinquième. Et voilà. Voilà les amis. Eh bien écoutez, nouvelle présentation miniature, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'adore. Hein, il en reste quelques-unes encore dans ce bon gros colis. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.